Tada! On est enfin arrivé, c'est magnifique. Je suis content d'être ici. Dans 2 jours, voyage humanitaire, donc suivez-nous sur les réseaux, on va partager des belles vidéos. Restez connectés. Et restez connectés. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens juste d'arriver à Madagascar avec 2 heures de retard. Mais ça c'est pas bien grave, tout s'est très bien passé. Je vais me reposer parce que j'ai besoin de repos avant de repartir pour aller 10 jours de projet humanitaire. Et on aura besoin de force pour pouvoir parcourir un bon nombre de kilomètres je pense. Et puis aider toutes ces personnes, tous ces enfants qui sont dans le besoin. Je pense que ça va être une vraie leçon de vie. Je pense que c'est surtout ça la morale de l'histoire, une vraie leçon de vie. Et voilà, et j'ai hâte de vous faire kiffer. Tout comme moi, je vais kiffer sur place, donc voilà. On est enfin prêt, l'équipe est prête, le matériel est prêt. On a la voiture avec Belgium Car qui nous la prête pendant une semaine. Et voilà, on est prêt à partir du coup. Hein. On pourra aider le plus de monde possible et on incitera bien sûr les prochains à faire encore mieux. Ouais, exactement. C'est notre premier stop de la journée. On a tout juste 20 minutes pour manger et on va repartir pour 10 heures de route pour commencer les premières distributions. Normalement, l'autre, on a un petit peu de temps. Bien là en dessous. Après 10 heures de voyage, plus de 10 heures, là on arrive au restaurant, on va manger un petit peu. Après on va rejoindre l'hôtel, mais ça se trouve il y a encore de la route, donc je sais pas combien de temps on va mettre. Et puis demain on partira à quelle heure? À 7h du matin. C'est très dur, on n'a plus le temps de se reposer. Là la nuit va être courte. Mais bon, c'est pour la bonne cause, vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit cadeau. On va essayer de l'ouvrir. C'est une enceinte. Pour qu'on ait un peu de musique pendant le trajet. On va l'allumer. La musique. Oh, j'aime bien ce bruit. DJ Spiro. I know if you fight kung fu, but I could fight for you. I got my eyes on you, you got vibes on you. I know if you die for you, ladies, but I'll live my life for you. I got my eyes on you, you got vibes on you. Yeah, call on shit. We could go on a vacation. Hola chicas, hola chicos. On vient de finir le premier village qui est aux alentours de Fianarantsoa, dans la province de Fianarantsoa. On a fait une première distribution, on a fait 7 classes. On a donné aux maternelles des petits goûters.
pas qu'au maternel d'ailleurs, à tout le monde. Ouais, à tout le monde. Et aux plus grands, ceux qui passaient leurs examens, on leur a donné des fournitures scolaires. Crayons, stylos, gomme, ardoises. Donc pas mal de trucs. Cahiers. Comme ça, ils pourront passer leurs examens dans de bonnes conditions. Et après, on leur a donné tout ce qui était... c'était corde à sauter plus pour les filles et ballon pour les garçons. Et puis, moi et Candice, on s'est séparés, on a chacun joué avec un groupe, donc moi c'était les garçons et Candice c'était les filles. J'ai fait de la corde à sauter, j'ai fait du cerceau, je savais même pas en faire. Et elle sait même pas en faire la honte. Moi j'ai joué au foot. Il y a des très bons joueurs. Hein. On va venir recruter dans les villages de Madagascar. Là on est en route pour le deuxième village. On mange rapidement. On mange rapidement encore, parce qu'on n'a pas le temps, on a beaucoup de route surtout. Ouais. Et puis, tu vois. Yela yela nela kumita nini shinenga kwa ni manakara. Dauna ma I believe I can fly. Manye Samburo Sharu sharu changi pita javana shasimura mta divula Jefrema na ira ngapienza santa kora shaira ndava. C'est vraiment waouh. Wow. Wow. C'est d'une qualité waouh. On est là, on est réveillé. On a fait le lever de soleil. Attends, on a essayé. Le réveil était très dur. Là, on est dans une vallée, donc il y a pas mal d'ombre. On n'a pas pu avoir les meilleurs plans possibles, mais... En fait, on a raté le lever du soleil. On l'a un peu raté, ouais. Puis là, bon, on va aller changer, on va aller déjeuner. C'est joli quand même. C'est joli quand même. On vient de se lever très tôt à Tulare, on a fait 50 minutes de route à peu près. Là il nous reste une heure de pirogue. On doit aller dans un petit village un peu reculé, on pouvait pas aller en voiture. Et du coup on a deux écoles à visiter. Le premier village c'est Anakao et le deuxième c'est Salari. Je sais pas si je le dis bien. Bon, en tout cas on a pris beaucoup de matériel scolaire parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'élèves là-bas. On va donner au maximum, après on reviendra autour de 15-16 heures. On a beaucoup de trajets à faire, entre la voiture, la pirogue, etc. Donc on vous tiendra au courant par la suite. Oh, ça y est, on a pris la pirogue, on est en route pour le premier village. Vous pouvez voir, il y a tout le matériel qu'on va ramener, on est un peu de partout. Et ça va être cool, ça va être bien. Bonne expérience et j'ai hâte de voir les enfants. Dernier village, les enfants qui nous suivent, tout contents. Avec Candice, je crois qu'on a rempli la mission.
Et c'est vrai que c'est très touchant, parce qu'on a le directeur qui nous remercie, qui était très ému, même les villageois. C'est vraiment une expérience enrichissante et on se rend compte qu'en Europe, on a tout, ils ont rien, mais ils sont contents avec rien. Donc, c'est une leçon de vie, c'est quelque chose à apprendre encore. C'est pour ça que je souligne l'importance de la gratitude, d'être content de ce qu'on a dans la vie, parce que c'est super important. Le haïku y fa chimiasa, le haïku y fa manta, fe kalata na rau baraka.